Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 7. La dernière fois, je m'étais plantée, j'ai dit 6 alors que c'était le 5, et ben là, aujourd'hui, c'est le 7. Donc, bienvenue dans cet épisode de Season After Fall. Donc, du coup, la dernière fois, j'avais un peu tourné en rond pour essayer de trouver tout simplement qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir enlever les dernières racines qui maintenaient ce caillou. Et j'étais vraiment à la fin un peu dépitée parce que ça c'était en train de m'énerver. Donc là j'ai fait une petite pause et j'ai repris. Et du coup j'ai trouvé la fleur. Vous vous rappelez, il y avait une fleur juste à côté. Et je pense fortement que cette fleur là, elle est à voir à quelque chose avec. Voilà, elle s'ouvre et elle mange les petites méduses. J'appelais ça des méduses, écoutez. Et comme ça, tac, ça donne en fait de l'énergie à la pierre pour pouvoir sortir. On va aller voir ça. Évidemment, j'ai pas pris le bon chemin parce que sinon c'est pas drôle si je me plante pas dès le début. Yeah ! On va aller voir la pierre, mais je pense fortement que c'est ça le truc. Ah, est-ce que j'aurais pas appuyé sur tous les trucs ? On va aller vite fait voir ça parce que là, effectivement, ça coince, mais je suis sûre et certaine que c'est ça qu'il faut faire. Printemps. Petit chien de pipi, champignon. Mercredi. Tu peux redescendre, s'il te plaît, champignon. Tu peux pas. Sinon, j'espère que vous allez bien. Que vous passez une bonne semaine ou week-end, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et que le let's play vous plaît. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est un peu... Ah, est-ce que vous entendez? Ah, voilà pourquoi. Pouk. Voilà, on fait passer. Là, ici, il faut sauter là. Ah. Fail. En fait, il faut appuyer sur les petits champignons pour pouvoir faire passer la puissance, en fait, du... Oh mon dieu! La puissance du... de la méduse. Oh mon dieu, mais c'est pas possible aujourd'hui. Je vais appeler l'épisode du fail. Hein? Parce que là... Alors par contre, au niveau des sauts, il est très très mal calibré, le renard. Et j'ai pu voir des remarques déjà dessus. Que j'étais pas la seule en fait à avoir des problèmes de saut. Mais... Voilà, merci. Bah, c'est quoi ce délire? De Dieu. Alors, prochaine étape de puits. Pour appuyer. Oh là là, mais c'est pas possible. Je n'y arrive pas aujourd'hui. C'est ouf qu'il faut que j'appuie. Hop là, on grimpe là-haut, ça ira plus vite. Au moins, je ne me raterai pas. Ch'touc. Et ça traverse. Hop là, il y avait beaucoup de... de zigoubou comme ça. Non, c'est qu'il y en a encore un qu'on n'a pas appuyé dessus. On va voir plusieurs parce que... Hop. Ça passe ici.
Et voilà. Et vous mettez la main coupée que c'est à gauche maintenant qu'il va falloir aller. Allez, go, c'est parti. On va faire la partie de gauche. Faut juste que je trouve la petite houppette. On va passer en été. Et en été, on peut passer comme ça. Voilà. Comment on fait pour arriver là-haut? Parce que c'est là-haut. C'est clairement là-haut. Ça vient de faire ch'ting, comme ça. Là. Ouais, c'est là-haut. Mais il faut que je trouve la tichenique pour sauter. Eh oui, on est en été. Printemps. Merde. Oh. Alors, on va arrêter de s'énerver, ça sert à rien. Ma patience a des limites. Arrivé un moment, là, c'est des énigmes là. C'est moi qui disais au début, oh, c'est facile. Mais bien sûr. Alors, on a dit que il fallait qu'on remonte. Donc, on remonte avec le l'automne. Parce que les champignons, c'est en septembre. À peu près. Il faut que j'apprenne à remonter. Est-ce que si je fais ça, que je fais ça, je pourrais remonter ou pas? Comment on fait pour monter? Je pense qu'il faut que je mette le champignon là, là. Et donc du coup il faut que je grimpe. Et pour grimper il faut que j'appuie sur le bouton là-haut. Pour aller chercher un petit zigoubou qui marche là. Putain. La journée du fail, punaise, c'est pas possible. Merci. Eh ben, mille ans. Ouh, merveilleux. Mille ans juste pour avoir ça. Et en plus, il n'y a rien ici. Ok. Ça pour que tu... Que tu es dans les plaies. Ah, mais je sais que c'est là-haut, bichon, mais attends. Oh là là. Eh, le jeu... Tu peux me... Mais... Merci. Il est où le petit zigougou là? Il n'y a pas un petit zigougou où je peux taper dessus là? Doudou. Ah si, il est là. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là toi? Allez, file. Mais en tout cas, il est très très faible. Un niveau... Après, faut quand même qu'on ait un peu l'habitude des manipulations entre été, hiver, hiver, été, printemps. Parce que c'est assez mal expliqué quand même. Ça serait le seul point négatif que je pourrais dire. Oui, et ben voilà. Ok, donc lui... Il faut que je lui trouve. Une stèle. Ok.
Putain, je suis allée chercher loin alors qu'il était là, le truc là. Non, mais franchement. Et je crois que j'ai pas utilisé les bons pour les bons lieux. Ça s'affole, ça s'affole, et je suis pas passée par ici. Donc, c'est bien ça. Et regardez ce qu'il y a en haut. Voilà, j'ai pas pris dans l'ordre. En fait, ils ont mis les... Eh ben dis donc, avec tout ça pour moi. Oh yeah. Ils avaient mis en fait les... Je suis pas en train de passer par le bon chemin, je crois. Hey, hey, hey! Ouais, j'en ai trouvé deux pour le prix d'un, écoutez. Allez, viens ici. Que fais-tu ici, Goupil? Oh! Ne t'inquiète pas pour moi, ni pour les autres gardiens. Allez, file! Il y a tant de choses à faire. On dirait Père Castor. Sauf que ça... Enfin bref, vous m'avez compris. J'ai trouvé les deux derniers. Ce qui est une très 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 bonne nouvelle. Maintenant, il faut que je trouve comment on revient chez nous. Ah merde. Ok, c'est tout bon. Allez. En hiver, hop là, chope la neige, et après, donc, crache ton truc. Et ce qui est mignon, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de vie. Je peux pas en prendre deux, ok. Donc, on va gentiment aller chercher... Ah, il faut se mettre en été, hop là, pour pouvoir passer, parce que sinon ça s'ouvre pas, et du coup on peut pas passer dessus et on peut pas sauter. Ok. Toc toc, ah. Non. Non, on avait dit qu'il fallait se mettre en printemps. Pour qu'il y ait champ de pipi qui saute. Et non, c'était pas ça du tout, mais c'est pas grave. Hop là. Mais vas-y, cours, garçon, cours, 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 cours. Cours aussi vite que tu peux. Alors, oui. Donc, hop là, c'est ici, c'est ici, c'est ici, hop. Et on se met en été, et ça va s'ouvrir, et close. Et à partir de là, il va falloir appuyer sur les trucs. Hop là. Ah. Printemps. Hop. Toing. Oui, fastoche. Et normalement, on a réussi à débloquer ce satané caillou. Et maintenant, on va japper. Jap, jap. Hein? Je me souviens de la graine la dernière fois que je l'ai vue. Je me souviens, son cœur, obscurci par la peur et le doute. Fais bien attention à toi, Goupil. Goupil. Et on saute.
Eh, on a été efficace à cet épisode. On a enfin compris l'énigme, moi je vous le dis. Toi ! C'est toi qui as détruit un de mes trésors, je t'ai vu ! Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Je te préviens, je garde les trois autres bien à l'œil. N'essaye surtout pas de t'en approcher. Non, t'inquiète pas. Je vais juste lui emprunter. T'as une drôle de façon de me remercier. Si je t'avais pas confondu avec une graine, t'aurais jamais découvert le monde extérieur. C'est grâce à moi que tu peux utiliser le pouvoir des saisons. Évidemment, on peut plus passer. C'est ça ce qui était censé me bloquer. C'est pas grave, on reprend. Hop là. Touk 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 touk. Ah. Hop. Je sais pas comment t'as fait pour prendre cette apparence, mais c'est pathétique. T'aurais pas dû t'attacher à ce renard. Jalouse. Abandonné. Alors. Ah, en plus je peux monter dessus, oh, c'est trop facile. Je sais pas si c'est un boss ou pas, elle. Parce que réellement elle a pas l'air d'être si méchante que ça. Merde. Je sais pas vers où faut aller. Tu ferais mieux de partir d'ici avant que je recouvre mes forces. T'as vu dans quel état j'ai mis la forêt? Tu crois que je pourrais te faire quoi à toi? Pars maintenant, je te le dirai pas deux fois. Fais un pas de plus et tu vas le regretter. Je t'aurais prévenu. N'approche pas. J'y étais presque. Oh putain. Ah non, mais la journée du fail aussi. Non, t'es dit de pas toucher à ça. Ah si. Oh. C'est à moi. Alors, Graine, je sais pas c'est qui. C'est bien toi que j'entends. Pourquoi te caches-tu? Quoi? Espèce de traître! Comment t'as pu réveiller les gardiens sans mon consentement? Graine, réponds-moi. Toi, je te parle plus. Retourne te coucher dans ta grotte. Laissez-moi tranquille maintenant! Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Elle n'est pas dans son état normal. Elle a une drôle de voix. Il faut absolument que tu retournes là où elle se cache. Alors là, il y a beaucoup moins de... Est-ce que c'est bon signe ou pas bon signe? Oula. Oula. Ok. Quoi que tu aies fait, Goupil, il semble que tu aies trouvé un moyen de révéler l'accès à nos hôtels sacrés. C'est de ces hôtels que les gardiens des saisons tirent leur pouvoir. L'apparition des hôtels ne peut signifier qu'une chose. Le sanctuaire se prépare à un nouveau rituel des saisons. Comment ça? Un rituel des saisons pendant mon sommeil? Ah bah oui. Sans graines, ni gardiens? C'est impossible. Ah bah ça, on a bien remarqué. Je crois que je commence à comprendre. Écoute, Goupil, je ne peux pas tout expliquer maintenant. Tu vois dans quel état est notre forêt. Ton aide nous est précieuse. Ok les amis, on va se quitter ici pour cette
petit épisode 22 minutes. Et bah écoutez, on a bien avancé, on a quand même réussi à trouver une deuxième gemme. Et dans le prochain épisode, on va voir un petit peu de quoi parler en disant comme quoi c'était pas possible et que du coup c'était vraiment le côté méchant de la chose. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous, j'espère que sincèrement cet épisode vous a plu, que le jeu vous plaît, que le graphisme vous plaît. L'histoire est un peu simple, mais moi j'adore tout ce qui est contes et légendes un peu comme ça, un peu mystique, etc. Et ce genre de jeu-là, j'aimerais bien en faire pratiquement tout le temps sur ma chaîne. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît plus que par exemple jouer à Overwatch. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!